en présence de Lorenzo Donati pour évoquer les chances de Voltigeur de Mire qui a très bien tenu sa partie dans les deux derniers préparatoires. Oui, une fois troisième avec le petit parcours sur 2008, ça s'était bien passé. Et deuxième fois avec le 8 à l'autostart, je me suis retrouvé à 2 nouveaux sans trop faire d'efforts, il déméritait pas. Comment vous l'abordez alors cette Amérique ? Bah, jusqu'à hier, je l'abordais bien, mais hier soir, on m'a appris que les analyses de sang étaient mauvaises. Pas catastrophiques, mais plutôt mauvaises. Donc voilà, avec un peu plus de retenue que prévu. Rien qui peut l'empêcher de courir ? Non, ça va pas l'empêcher de courir, mais il risque de manquer un peu de puissance, même si ça peut aller. Mais voilà, on saura qu'après la course, malheureusement. Bon, il a prouvé quand même qu'il avait son mot à dire dans ce genre d'épreuve à chaque fois. Il est toujours là. Oui, bien sûr, il a le niveau pour bien tenir sa partie. Pour gagner, ça va être difficile, même s'il est à 200%. Mais voilà, ça reste un super cheval et voilà, on va jouer notre carte à fond. Oui, malgré ce petit bémol, malgré les prises de sang peut-être un petit peu moins bonnes. Oui, voilà, on va pas pour autant se mettre dernier et faire que la ligne droite. On va faire une vraie course et on verra ce qu'il en est.